sans aucun doute, vous voyez à droite à gauche en France une photo d'une femme perse iranienne, une avocate. Elle s'appelle Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh, c'est une avocate iranienne qui est en prison pour défendre les femmes iraniennes qui ne veulent plus porter le voile. C'est tout. Alors en Iran, une des catastrophes quotidiennes, c'est ça, c'est-à-dire parmi les prisonniers politiques, vous avez même les prisonniers avocats ou avocates. C'est-à-dire même si vous êtes avocate et vous défendez quelqu'un, vous risquez d'aller en prison. Et c'était le cas de Mme Nasrin Sotoudeh qui avait même s'exprimer dans un film Taxi, vous l'avez vu sans aucun doute, Taxi, de Jafar Panahi. Après, elle est allée en prison et elle a défendu les filles, les femmes iraniennes qui enlevaient le voile, qui ne voulaient plus porter le voile, en arrêtant ces gens-là. Et il est devenu défendeur, comme avocate, et c'est son métier, de ces groupes de femmes iraniennes. Alors, elle était de nouveau allée en prison, une condamnation assez sévère. Ce qui est très intéressant, c'est que la France, comme Nations Unies, comme la plupart des pays démocratiques dans le monde, ils ont soutenu cette femme, Nasrin Sotoudeh, avocate, qui est en prison. Parmi même les dirigeants du monde, même le président Emmanuel Macron, et il est intervenu. Et il s'est exprimé en faveur de Nasrin Sotoudeh, comme vous l'écoutez. Je veux à cette occasion, ici très solennellement et avec force, dénoncer le calvaire de nombre de féministes emprisonnées parce qu'elles défendent simplement le droit des femmes. Dire ici avec force que nous prenons nos responsabilités à chaque fois qu'une militante féministe est menacée et que nous devons continuer de le faire en rappelant les noms, les visages, les causes. C'est ce que nous avons fait le 19 février dernier en intégrant symboliquement au Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes du G7 l'avocate Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne, qui paie de sa liberté son combat courageux et nécessaire en faveur des droits des femmes. Sa chaise était vide, mais son nom était là. Également, parlement français, même dans le parlement français, on a soutenu Nasrin Sotoudeh. On va écouter les propos du Parlement et après on va revenir. Mais vous tapez Nasrin Sotoudeh sur YouTube ou Google, Nasrin Sotoudeh. Vous avez les propos de Macron et également les propos de, d'autres personnalités, même le Parlement. La parole est à M. François Cormier-Bouligeon. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une question, mais c'est surtout un cri de colère, un cri d'indignation et un cri d'horreur. À 5000 kilomètres d'ici, une femme vient d'être condamnée à 38 années de prison à l'issue d'un procès unique. 38 années de prison et 148 coups de fouet, pas un de moins. Cette femme a pour nom Nasrin Sotoudeh. Elle est iranienne, avocate, lauréate du prix Sakharov en 2012. Et quel crime a mérité son châtiment? Je vais vous le dire, c'est le courage et c'est l'humanité. Nasrin Sotoudeh défend les droits de l'homme. Nasrin Sotoudeh défend les droits des femmes. Nasrin Sotoudeh défend des femmes iraniennes qui ont le courage de se montrer en public sans foulard malgré l'obligation du port du voile qui leur est imposée.
Nasrin Sotoudeh, la mobilisation de notre gouvernement et de l'Union européenne en votre faveur ne fait aucun doute. Madame, si nous avons voulu faire résonner votre nom ici, sur les bancs de l'Assemblée nationale française, c'est parce que vos combats sont les nôtres. Il y a 230 ans, le 26 août 1789, cette même Assemblée adoptait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette déclaration proclame comme droits naturels et imprescriptibles l'égalité entre les hommes et la liberté. La liberté, oui, ces droits, nous les avons pensés comme universels, valables pour les femmes et pour les hommes, qu'ils soient nés ou qu'ils vivent en France ou en Iran. Vous défendez la liberté absolue de conscience comme nous le faisons nous-mêmes. Vous, Nasrin, et nous toutes et tous ici, sommes sœurs et frères dans ce combat. Nasrin Sotoudeh, you fight for the values which are our values and those of all humanity. And that's why the French National Assembly supports you. Aux dirigeants iraniens, je le dis, libérez Nasrin Sotoudeh. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour une réponse intégralement en français. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, le gouvernement partage pleinement votre émotion et votre indignation. Très clairement, Nasrin Sotoudeh, c'est une engagée. C'est une engagée pour la défense des droits de l'homme, pour la défense en particulier des droits des femmes, de ces femmes iraniennes qui contestent l'obligation, effectivement, du port du voile islamique. Elle a reçu, vous l'aviez dit, ce prix Sakharov. Eh bien, non seulement la France, elle évoque inlassablement son cas, mais surtout le président de la République a publiquement appelé vendredi dernier, lors de la remise du premier prix Simone Veil, à sa libération. Le président de la République a souhaité la faire membre symboliquement du Conseil consultatif à l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre du G7. Sa place était là, autour de la table, à l'Élysée. Sa place était vide et naturellement, cela, ne nous y résignons pas. Ce soutien à Nasrin Sotoudeh, elle a été réaffirmé par la voix de la France à travers la voix de Marlène Schiappa à la tribune de l'ONU il y a quelques jours. Et cette diplomatie féministe, eh bien, nous allons la poursuivre. Nous appelons l'Iran à respecter ses engagements internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Souvenons-nous, il y a 3 mois, nous commémorions les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 70 ans plus tard, le combat continue pour rendre effectifs ces droits et en premier lieu par la libération de Nasrin Sotoudeh.